Yeah. Yeah. So seductive. Incubateur des imaginaires numériques, Seconde Nature et Zinc travaille depuis de nombreuses années à promouvoir et faire émerger la création contemporaine, comprendre le monde en régime numérique à travers les regards singuliers et sensibles des artistes et aider les publics à s'approprier les technologies pour développer leur créativité et leur sens critique. Avec Chronique, Biennale internationale des imaginaires numériques, Seconde Nature et Zinc interroge notre monde futur par le prisme des arts, de l'imagination et des technologies. L'édition 2020, consacrée à la thématique de l'éternité, a été imaginée et produite avant et pendant la crise sanitaire et le confinement. Il a fallu s'adapter, se réinventer et continuer à travailler une programmation de qualité pour les deux associations et leurs partenaires. Oui, ça a été une année très singulière avec la crise sanitaire que nous connaissons tous, et en particulier pour le secteur culturel, qui nous a obligés en fait à transformer notre métier, notre façon de concevoir et de partager nos événements. Nous l'avons fait comme on le fait depuis près de 20 ans avec Zinc et Seconde Nature autour des questions numériques. C'est partager des choses qui ont du sens, qui provoquent une expérience. Et cette situation a nourri, renforcé encore notre envie de partager encore plus, différemment, avec les publics, pour respecter notre engagement envers les artistes et les créations que nous soutenons, envers les professionnels et tout le secteur aussi, et le métier que nous représentons. Seconde Nature, Zinc et l'ensemble de leurs partenaires régionaux ont fait le choix de poursuivre leur ambition de faire de la région Sud, en France, un territoire de référence pour la création numérique contemporaine. Je crois que l'expression « faire et défaire », c'est toujours travailler. Nous l'avons fait nôtre, en équipe, pendant plusieurs mois. On a trouvé des solutions. Après, on a toujours eu conscience qu'on avait quand même la chance d'être extrêmement soutenus par les collectivités, les institutions. Et on a toujours gardé en tête la nécessité, d'où notre un peu mantra dont Mathieu a parlé aussi, qui était coûte que coûte. C'était garder en tête que pour les artistes, et notamment les artistes plasticiens, qui sont les artistes avec lesquels on travaille plus particulièrement, étaient dans une situation vraiment extrêmement dure, et que aussi conserver la Biennale en état, même si on ne l'ouvrait qu'aux professionnels, même si on n'était que sur des formes digitalisées, pour les artistes, c'était vraiment très important de faire aboutir leur processus créatif et pouvoir montrer leurs œuvres. Cette crise sanitaire a amené un constat. Le public consomme de la culture et de la création via le numérique. C'est une des solutions pour garder le lien et rendre visibles des œuvres et des spectacles. Imaginer et créer de nouvelles formes en ligne sur les réseaux sociaux. Nous avons dû, dans un temps record, transformer en fait cette édition pour créer un événement hybride, pour digitaliser au maximum nos expositions et les événements qui ont pu avoir lieu en physique, et partager du coup avec le public de manière différente, en recréant du sens à travers ces médiums aussi numériques et digitaux. Pour le champ des arts hybrides et des cultures numériques, malgré une habitude et une connaissance en effet technique des nouvelles technologies du numérique et du digital, c'est quand même une manière de penser ces événements qui est un peu différente. Et à l'endroit de Chronique avec Zinc et Seconde Nature, là aussi on avait quand même envie de montrer un peu la voie, d'essayer d'expérimenter très fortement des nouvelles formes et des nouvelles expériences pour les publics. L'essentiel pour nous était vraiment de garder d'essayer de faire revivre une expérience en fait au public, et de garder une expérience sensible au travers des œuvres, au travers des questionnements que posent les artistes.
Donc on a digitalisé les événements pour se rendre compte en fait de la matérialité, de la scénographie, du rapport à l'espace des œuvres, mais on a surtout produit un récit immersif qui partage en fait les questionnements, le commissariat et donc toutes les questions de société en fait que les artistes posent au travers de leurs œuvres et qu'on voulait partager au travers de ce parcours d'exposition qui n'a pas pu se faire de manière physique et que là on est essaye de partager au travers d'un récit qui compte, comme à la manière vraiment d'un conte qui compte, c'est ce rapport de l'homme à l'éternité, puisque c'était la thématique de l'édition 2020. 2020 a mis en lumière les soubresauts de ce monde d'après. On peut espérer, au regard des dernières générations, que celles à venir questionneront davantage le vivant, le futur, le vivre ensemble et peut-être le vivre bien. Alors pourquoi attendre ? 2020, c'est possiblement le début du temps des utopies concrètes. Et par là, de nouveaux rêves pour de nouvelles et plus réelles réalités.